Coucou tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, bienvenue dans un nouveau vlog avec un nouveau café, bien évidemment. Du coup, je suis frigorifiée. Il est quasiment 10h, il y a quelques temps que je suis rentrée. J'avais ma chef au téléphone parce qu'on avait des choses à régler, à discuter. Voilà. Sans mettre le verre. Donc là, en quoi il y a du verre dessus? Je vais regarder. Du coup, pour les gnomes, die cut. Hop là, là. Et du coup, si je veux ouvrir, hop là, téléchargement. Du coup, quoi de neuf aujourd'hui? Hop là, j'ai envoyé une photo. Voilà, des gnomes, mais version bleue. Du coup, programme du jour. Alors, que je vous dise tout ça, c'est là. Ça, je peux fermer. Programme du jour. Mettre sous mon lit, dans ma couette, sous mon lit. Non, dans mon lit, sous ma couette. C'était dans ce sens-là qu'il fallait le dire. Du coup, j'ai une vidéo à tourner, le montage du vlog, montage d'une des vidéos que j'ai fait hier, préparer les vidéos de lundi, j'ai plein de papiers à découper, donc ça, faut que j'aille à la poste, j'ai une photo à poster sur Instagram, j'en ai d'autres à préparer que j'ai toujours pas préparé, je reçois le cadeau de Noël de Lana, normalement aujourd'hui j'ai mon chèque qui est crédité et je replie mon linge. Ouais, je l'ai mis là. mon habit tracker pour aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. J'ai un qui me sont réveil. Hop là, voilà. Donc, hop, ça c'est fait. Je bois mon café, je déjeune. Et puis, j'ai quelques petites recherches aussi sur un fichier que je voudrais, Notion, encore un. Mais plus pour gérer mon équipe de Coty, en fait. Oui, encore un, je voudrais juste gérer mon fichier de la ZAC, en fait. Oui, encore un, ce serait juste, du coup, pour pouvoir gérer les filles et les plannings de la ZAC. Donc, voilà. Hop, je regarde juste message Instagram. Hop. J'ai juste regardé là. Hop. Donc voilà. Donc moi je regarde un petit peu tout ça et puis je vous prends un peu plus tard. Hey, coucou tout le monde. Bon, 11h28, Jojo va arriver. Je sais toujours pas ce qu'il mange. Voilà. J'ai pas avancé dans ce que je voulais faire. Tout simplement. Ouais, vous voyez, je suis frigorifiée. Je viens d'abord d'aller chercher le petit chauffage de monsieur. J'ai une lumière sur moi. Monsieur avait acheté un petit chauffage comme ça. Franchement, là, c'est bouillant. J'ai tellement froid que je suis allée le chercher. Je me suis refait un café. J'ai discuté avec Corinne pour des nouveaux gnomes. Elle voulait d'autres gnomes. Donc, c'est bon, j'en ai trouvé. Elle a fait sa commande. Ça va venir en boutique. Les photos, ils sont déjà en boutique. Il n'y a pas encore les photos parce que, du coup, je ferai les photos quand je ferai sa commande. Sûrement dans la journée.
J'ai travaillé sur d'autres petits projets. J'ai eu ma collègue, ma chef au téléphone à deux reprises. Du coup, j'ai pas spécialement avancé. Je devais tourner une vidéo aujourd'hui et en fin de compte, bah voilà. Tout est dit. Je devais la tourner ce matin et puis voilà. J'ai froid. Alors, la suite. Mamie, Lana est arrivée et réveillée, je vais aller la voir. La suite de ce que je vais vous dire. Vous allez voir un petit peu le déroulement de la chose, vous allez le voir venir. Mais j'ai froid. Alors oui, je me plains. Je suis fatiguée. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine, comme dirait l'autre. Sachant que samedi, dimanche, c'est des journées où je travaille beaucoup plus. Je sens que ça chauffe là. Du coup, j'ai envie de faire un petit dodo tantôt. Du coup, bah, je vais pas travailler spécialement sur ce que je devais faire. Ce n'est pas grave. Je suis mon propre patron, je fais comme je veux. Hein. J'ai ma compta à faire, j'ai ma déclaration d'URSSAF à faire. Je pense que c'est ce que je vais plutôt me mettre dessus, parce qu'on est quand même le 9, il faut que je me dépêche de le faire, il faut que je fasse aussi, que je montre à Lana comment faire. Si je suis courageuse, je continuerai un petit peu mon album. Je dis bien si je suis courageuse, mais là je suis fatiguée, j'ai froid. Voilà, il y a des jours comme ça où... voilà. Je regarde des vidéos encore de Restons Prudents. Je me suis fait une petite file d'attente. J'ai mis sur la télé, donc là c'est Restons Prudents. J'ai trois Restons Prudents et puis j'ai des MC Skies comme je vous avais montré. Donc voilà. Donc là je vais aller voir ma princesse. Je vous prendrai un petit peu plus tard pour dire ce que j'ai fait et ce que je n'ai point fait. Et du coup voilà, donc comme je n'ai pas beaucoup bossé aujourd'hui, je pense que je vais vous faire un vlog complet sur vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà. Bon allez, je vais voir ma princesse. J'aime bien vous tirer la langue, je sais pas pourquoi. Recoco, c'est moi. Bon, il est 5h28. Franchement, j'en ai pas besoin des une. J'ai travaillé un peu sur mon fichier, j'ai fait dodo. Franchement, je suis pas motivée du tout. Je suis épuisée. Je suis toujours sur mon fichier. Je suis en train de mettre à jour mes papiers décoratifs ici avec du coup le nombre de papiers que j'ai et les tarifs parce que, eh bien... Il y a des moments quand ils sont plus sur la boutique des millions, bah, j'ai du mal à avoir les tarifs, donc du coup j'ai mis directement. Là je vous ai rallumé parce qu'il paraît qu'on est le 9 et qu'on n'a pas ouvert le calendrier de l'avant, donc je vais le chercher et on ouvre ça. J'ai le 10, j'ai le 15, j'ai le 11, le 12, le 16, je vous prends là, le 19, le 23... Avec 20 quelque chose, le 13, le 17, le 20, le 18, le 9, il est là. Hop, j'ai pris 24 avec. Hop, suivez-moi. Alors, la carte, elle est là. Alors, le 9 pour les albums. Alors, c'est fait. C'est rond. Là, c'est plus fin. Alors moi, je dirais du double face. Et Corinne m'a envoyé un petit message d'ailleurs. Vous savez, les petits, hop là, ici, comme ça, c'est d'Action qui viennent. Donc voilà. D'il y a à peu près un an, qu'elle m'a dit. Je suis tellement peu à Action que je ne savais pas. Alors par contre j'avais pas trouvé la couleur hein, je vous rassure. Double face rouge, impeccable, ça va aller là-haut avec les doubles faces. Je vais pas le mettre là-bas parce que je l'utilise tellement vite hein. Je me dis qu'il est 5h30, je n'ai toujours pas reçu le cadeau de Noël de Lana. Je devais le recevoir aujourd'hui Amazon. Car ils m'ont livré vos commandes. Suivre mon colis. D'accord, ils ont changé. Tout compte fait, prévu jeudi. Non, ils n'ont pas mis à jour. Commander le 7. Bah, tout compte fait, mais il ne livre que jeudi. Il devait me livrer aujourd'hui. Puisqu'il est même expédié.
Bref, du coup, bah, ce qu'on fait jeudi. Bon. Je me disais bizarre. J'aime bien quand ils changent les dates comme ça sans rien nous dire. Je vais aller ici. Mon espace. L'aspirateur de Lana. Je change la date. Et du coup, ce sera jeudi 15. Et je n'ai rien fait du tout de ce que j'étais censée faire aujourd'hui. Mais alors, rien du tout. Mais j'ai la flemme. Voilà, franchement, ça arrive. C'est la fin de semaine. Bon, pourtant, vous allez me dire, Marie, ton repos, c'était mercredi. Ouais, mais je sais pas. Voilà, vivement les vacances, je vous dis. Après, il me reste une semaine. Vous imaginez pas comment j'ai hâte de pouvoir me reposer. J'ai pris mon téléphone, pourquoi? Je voulais voir si mon chèque avait bien été crédité. J'ai pas reçu de message, du coup, non. Mais normalement, ça devait être aujourd'hui. Mon chèque a été réceptionné le 18 novembre et il sera crédité dans 3 semaines. Donc, 18, 25, ça fait une semaine, le 2, ça fait 2 semaines et le 9, ça fait 3 semaines. Bon, bah, s'il n'est pas crédité aujourd'hui, maintenant, il sera crédité que lundi. Hop là, voilà, j'ai changé la date aussi. On regarde pas mal dans la liste du jour parce que ça craint. Donc voilà, voilà, je sais pas si je vais vous reprendre ou pas tout à l'heure. Là, je me tâte à aller au bain, j'ai oublié d'acheter du shampoing. Et Lana est partie au champ, mais j'ai donné 10 euros, il fallait des croquettes pour Snow, de la menthe et du lait. Et du coca chéri pour Jonah. Donc, elle va pas avoir assez pour du shampoing. Donc, est-ce que je vais quand même au bain ce soir? Ou est-ce que j'attends demain? Telle est la question. J'en sais rien. J'ai envie d'y aller quand même. Oui, je sais, le bain et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'essaie de pas y aller tous les jours. j'essaye de faire un bain, une douche, un bain, une douche. J'y suis pas allée hier. Et je me suis. Et en fait, je me dis que. Ah non, je vais y aller aujourd'hui. Je vais pas me laver les cheveux. Ils sont pas trop sales. Puisqu'ils sont restés attachés. Là, j'ai changé mes 2 chignons parce que ça me gênait pour un gros chignon. Je vais y aller aujourd'hui. Comme ça, je vais essayer d'avoir le courage de me faire 2 tresses pour être tranquille tout le week-end pour le travail. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Bon, allez. Le jour grand plus tard. Ou pas. Tout à l'heure ou demain. On verra. Hey, coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi. Il est 4h déjà. J'ai fini à 15h. Me voici, me voilà. Oui, je rentre assez tard. Tout simplement parce que, 1, j'étais en bus. Parce que ce matin, il pleuvait. J'ai pas pris de trottinette. Et de 2, je suis passée à Normal et à Auchan. Mais c'est ce que j'ai acheté. Je vais juste fermer là. Alors. À Auchan, j'ai pris du gommage. Parce que marre de ma peau. Ah. Et j'ai pris... Pour les dents. J'ai pris que du soin. Et du coup, à Normal, j'ai pris shampoing. Garnier, je voulais tester, et après shampoing, non c'était le contraire, des rasoirs parce que mes jambes ressemblent à celles d'un Yeti, moi je vous le dis. Et j'ai pris ceci dans le bon sens, c'est mieux. Alors c'est des trucs pour les pieds. Voilà. Alors Lana, elle avait la marque. Elle m'a dit ceux de pharmacie, ça marche mieux que ceux de chez Action. Donc, je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer. J'espère que je ne me suis pas trompée, que c'est bien cela. Ça s'ouvre pas cette merde? Je fais des bisous blafters, j'ai mon nez qui me gratte. Et au champ, j'ai pas trouvé de la bello ni un normal. En plus j'en voulais. Voilà, j'ai rue ici. Oui, j'ai petit. Bon, c'est ça. Des trucs pour les corps. Alors, Lana, elle s'est mise sur la tronche. Elle a vu ça sur TikTok. Il paraît que ça marche bien, donc je vais faire ça. Mais bon, 3 euros le petit truc. Hein. Et j'ai acheté ça pour ma fille.
Ouais, la mère Gaga. C'est pour obtenir plus de son cadeau de Noël. C'est une bouteille, mais c'est pas n'importe quelle bouteille. C'est mini. Voilà. Chercher des conneries, ma fille. Donc voilà, donc ça c'était ça. Du coup, j'ai sorti ici et ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me coller ça sur la tronche. Bosser un petit peu. Après, j'irai au pain et je me referai un gommage, un masque, un rasage, un lavage de cheveux. Parce que du coup, je suis pas allée au bain hier vu que eh bien, je n'avais plus de shampoing. Donc je pouvais me laver les cheveux et tout. On va essayer de se détendre, se refaire une beauté, essayer d'enlever toute la merde que j'ai sur ma peau là, parce que ça devient atroce. Et puis, voilà. Ouais, c'était la minute pas beauté. Oui, les minutes beauté chez Marie, c'est les minutes pas beauté. Ça, c'est mon jeu. Alors, numéro 10. Ça fait un petit peu de bruit. Remoi. Donc, ça doit être une créa qu'elle a fait. Donc, une petite. C'est trop grand pour être une ATC. Donc, je dirais. Il y avait déjà une espèce de marque-page. J'irai une petite carte. Remoi. L'Olaf, tu crois, c'est quoi? L'Olaf. L'Olaf. Elle vient de sursauter, elle s'est retrouvée sur le cul. J'aime bien la beauté. Je suis rentrée, c'était des maou, 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 maou. Ah bah, hey, vous croyez quoi? Je suis partie depuis ce matin 6 heures. Bon, je vous l'ai dit que Marie ne savait pas ouvrir les papiers cadeaux. C'est un tag. Je kiffe les petites découpes, elles sont trop choupinous. Et le fond qui doit être fait, alors, soit, je dirais plutôt au Magical. Ou alors aux infusions. C'est infusion que ça s'appelle? Je sais pas, j'en ai jamais acheté. Un truc comme ça. Peut-être qui ressemble au Magical. Mais moi, je dirais au Magical. Dans le ton bleu, j'adore. Super joli. Merci ma petite Corinne. Moi je vous dis, je suis gâtée. Et demain, c'est quoi demain? Demain on sera le 11, c'est ça? Colle. Bonne question, colle. C'est une colle? Non, ce serait trop facile si elle me mettait le nom. On a déjà eu du double face. À voir demain. Du coup, là, ce matin, j'ai préparé ma semaine prochaine en espérant réussir à m'y tenir. Je ne l'ai pas trop chargée parce que, en ce moment, je suis fatiguée. Et que, là, d'ailleurs, je vais me faire un café. En ce moment, je suis un peu fatiguée et j'ai pas envie de trop me charger au cas où j'ai des commandes. D'ailleurs, il faut que je note parce que j'ai la commande de Cohen que je n'ai pas notée qu'il faut que je fasse. Il va y avoir, c'est l'avant-dernière semaine avant Noël, donc c'est le moment de passer vos commandes pour être sûr de les avoir à Noël. Hier, j'ai une cliente qui m'a appelé pour mettre des boules de côté pour le mois de janvier pour être sûr de les avoir. Et donc voilà, j'ai pas trop chargé. Je me suis prévu les 3 vidéos spéciales Noël silhouette qui me restent. Après, j'ai 5 petites créas, mais vraiment des petites créas spéciales jour de l'an. Donc je vous fais sur une semaine que je vais. J'en ai prévu 4. Mais normalement, c'est vraiment des petites rapides. Donc ça devrait le faire. Je sais plus qu'est-ce que j'ai prévu aussi. Finir mon fichier que j'ai bien bossé dessus hier. Franchement, j'étais plutôt contente. Et finir mon album photo en cours aussi. Puis après, je serai en vacances dimanche prochain. Bon, demain, je bosse. Hein. Demain, je fais 8h, 10h, 11h, 15h30. Voilà. Après, j'enchaîne lundi, mardi, mercredi, repos, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là, donc samedi, comme d'habitude, hein, 6h30, 15h. Et là, dimanche, je ferai 8h, 10h, reprise à 14h30 pour finir à 19h. Et après, en vacances jusqu'au 2 janvier. Je reprendrai le 2 janvier à 6h. Voilà. J'ai annoncé les mauvaises nouvelles aussi aux filles ce matin par rapport au changement qu'il va y avoir... dans l'équipe et à la ZAC, ça, et puis voilà. C'est tout. Pas grand-chose. Hein. Ouais, je sais, rien de folichon. Bah, le week-end, c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'en temps normal, je ne vous filme pas les week-ends. Parce que souvent, bah, quand je rentre, il est presque 4h. Et puis, là, je mange pas parce que j'ai
j'ai mangé tout à l'heure, mais Lana est venue me rejoindre. Et du coup, comment dire, on a mangé toutes les deux. Et ouais, là, c'est le temps que je me lave les cheveux parce que ça commence à être cracra. Et donc, du coup, voilà. Mais bon, j'ai traîné à Auchan et puis chez Normal. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde à la ZAC aujourd'hui. Ça se voit que c'est le week-end parce qu'en ce moment, il y a plutôt pas mal de monde le samedi. D'habitude, ça arrive en fin de journée. Le temps que les gens, ils mangent tranquillement, ils se lèvent, ils font la grasse mat, ils font ce qu'ils ont à faire. Que là, non, dès 10h, il y a pas mal de monde. Donc au moins, ça m'occupe, hein, je ne m'ennuie pas. C'est pas comme le dimanche, mais bon. Bon, allez, je m'installe mes patchs sur la tronche et puis j'essaierai de vous reprendre un peu plus tard. Hey, re-coucou, me revoilà. Bon, mon vlog a fini de s'enregistrer, je vais mettre à s'exporter sur YouTube. Comme vous voyez, je sors de mon bain. Bon, côté peau. Bah écoutez, j'ai mis les trucs, alors je les ai peut-être pas mis très très longtemps, je sais pas combien de temps, je crois que Lana laisse toute la nuit, j'en rachèterai, c'est peut-être un peu mieux, mais à voir. J'ai fait un bon gommage, j'ai fait un masque à l'argile, masque dans mes cheveux aussi, j'ai fait la totale, ça fait du bien. Bon, il est 20h10, je suis restée très très longtemps dans mon bain, hein. Je crois que j'ai dû y rester presque une heure, encore, on a l'habitude, hein. Donc ça, je vais me chercher à boire. J'avais soif. Je me dis, ça va, t'en as assez? Alors, c'est bon. C'est clair que avoir comme ça, ça fait beaucoup de coca. On est d'accord. Mais c'est mon seul verre de la journée. Bon, certes, il est 20h10, je bois du coca comme ça. Mais bon, monsieur est parti faire manger. Et hein, monsieur est en vacances en journée. Repose au travail. Sauf monsieur va manger le soir, moi je vais manger le midi. Bon, j'avoue que le midi, il demande, je me fais pas. Mais bon. On verra quand je serai en vacances. J'ai ramené, c'est là. Hop. Ici. Et ici. J'ai ramené ma brosse, j'ai ramené mon peigne, des élastiques et c'est parti pour 2 tresses. Voilà, comme ça, avec un peu de change, je suis tranquille pour 2 jours. Quoi d'autre à vous dire? Bah, pas grand chose, demain dimanche. Ah, j'ai attaqué September Jones. Tome 5. Il est un petit peu frustrant. J'ai envie de vous dire des choses, mais j'ai peur de vous spoiler s'il y en a d'entre vous qui le lisent. Mais comment vous dire? Un certain couple bat de l'aile. Un certain loup s'emporte. Et une certaine quelque chose, loup, renarde ou autre, a vomi plusieurs fois. Bon, certes, c'était des grands moments de stress, mais il y a un truc qui me fait très très rire, et c'est un suspense de dingue. Donc, celles qui l'ont lu, c'est Hunter Bonjose. Dans le tome, je crois que c'est 4, il y a... alors, je ne me rappelle jamais des prénoms. La copine, donc du coup, de September, je ne sais plus comment elle s'appelle, a eu un bébé. Et je suis à 60 ou 70% du livre et ils font toujours croire que la fille, le bébé s'appelle, je sais plus les noms, mais en fait ça fait un truc du style Marie, Jeannette, non attendez, comment c'est Marie, Martha, Valérie, un truc comme ça, en fait c'est 3 prénoms et en fait ils font croire ça à Peter, lui je me rappelle de son prénom. Que bébé s'appelle en fait, alors que c'est pas vrai, mais on sait toujours pas. Donc en fait tout le monde est au courant sauf le fameux Peter. Et mais on sait toujours pas comment le bébé s'appelle réellement en fait. Donc voilà. Donc là je me démêle les cheveux, je vais faire mes tresses pendant que mon vlog s'enregistre parce qu'il me reste moins d'une heure pour vous le mettre en ligne. Bien oui, forcément. Hein, je traîne mes vidéos, ok. Vlog du 8, ouvrir. Hop là. Réutiliser les détails du vlog 7, ok. On est au vlog 359 quand même. Vlog 8, est-ce que j'ai bien mes 2 chansons de Noël? Paul Cook, non, il n'y a pas la seconde. Donc il faut que je mette la seconde chanson de Noël. Mes musiques. Elles sont mes musiques. La musique. Parce que comme je passe par un site spécial, en fait, il faut à tout prix que je pense à mettre les liens de crédit. Si je veux pas que mes vidéos soient démonétisées.
automatisé. Voilà, je vais y arriver. Hop, puisque il y a une. Il y a un moment où j'ai mis de la vitesse, d'une vitesse accélérée. Je reprends ma minute sur spécial vlog de Noël, je précise. Elle est là. Suivant. Activé. Ah oui, vous restez en train de me crier parce que je crois que c'est la France qui joue. C'était le Maroc tout à l'heure et je crois que maintenant, qui ont gagné. On a eu le droit des feux d'artifice, ça a crié dans les magasins et tout. Et là, je crois que c'est la France, si je dis pas bêtise, il me semble. Il faut que j'arrive à me trouver un labello. Alors oui, je n'ai pas mis mes lunettes. Parce que je vais me coiffer et après ça va me gêner. Mais je les avais tout à l'heure. Donc oui, donc du coup, j'ai bien avancé dans September Jones. Et franchement, j'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup c'est September Jones. Je ne sais pas s'il y aura encore un autre tome après. Hop là, ça se met. On va regarder. Alors, je suis sur mon balai. Il faut juste que je vous mette... J'ai oublié le lien au cas où quelqu'un voudrait copier là. Fermer la modifier hop là balai scratch si je vous parle d'un balai que je veux scratch voilà que je veux acheter un comme on utilise au travail. Dans ce vlog là je vous montre comment mon balai à gaz. Oh mais mince, copier toute la merde qui ramasse malgré que je passe plusieurs fois par jour tous les poils qui ramassent et tout. Vous avez toujours le lien en dessous et dedans je, dans ce vlog je vous dis que je veux le balai à scratch donc pour laver avec les lavettes comme on a au travail qui vendent aussi sur Amazon au prix de là en ce moment il est à 26 €. Du coup je vous mets le lien pour celles que ça intéresserait et personnellement j'adore. Bon, on met les doigts dedans bien évidemment comme une serpillière normale mais franchement j'aime vraiment beaucoup. Monsieur est content. Monsieur est content. Voilà. Je suis sûre que c'est la France maintenant. donc voilà pour ça. Et après, il y avait. Oui, je voulais voir aussi, du coup, Amazon, il est là. Si pour September Jones, il y avait un tome 5. Non, c'est déjà le tome 5. Et je voulais voir s'il y avait un tome 6. Mais pour le moment, il dit 5 sur 5. Donc, je ne sais pas si ce sera le dernier. Bah, je ne sais pas. Pour le moment, on a toujours noté que 5 tomes. Mais c'est franchement une super saga. C'est comme ça que j'ai découvert Jupiter Fountain, qui est une très très bonne auteure. Si vous vous rappelez, j'ai lu aussi Magic Academy d'elle. Qu'est-ce que j'ai lu? Le tome 1 d'Alpha Academy. D'ailleurs, on attend le tome 2 le 27 octobre, mais je ne sais pas si je l'ai mis dans mes prochaines lectures. Non, je ne l'ai pas mis, je vais le mettre tout de suite. Hop, là. Ça, c'est September Jones. Ah, là, c'est série As Malone que je n'ai pas lu d'elle. Les secrets d'Isha aussi. Bon, elle a encore beaucoup de meutes. Raven a l'air d'être... C'est quoi cette série-là, Raven? Elle a beaucoup, beaucoup de sagas. Alors, la série As Malone, donc le tome 2, le titre... Alors déjà, le tome 3, le titre était un peu bizarre. Le tome 2, c'est « Je déguste des bonbons sur les cadavres. » Et parfois, ils sont encore vivants.
Ok. Ocali Hollis. J'en suis où à cette série-là, d'ailleurs? J'ai lu les 3 tomes. Monsieur qui m'a porté l'Olaf, parce que l'Olaf, elle était dans le canapé avec lui, parce qu'elle aime bien être dans le canapé, vous savez, sur les coussins. Je vous ai montré dans un des vlogs, quand je vous ai montré le sapin, elle était là. Et en fait, le souci, c'est qu'elle a eu peur quand monsieur a crié pour le but. Donc, voilà. Oui, donc du coup, Ocalis, j'ai lu les 3 tomes pour le moment. Donc, bah, je crois que... Non, je sais plus si ça finissait la saga. Non, j'ai laissé en cours. C'est pas, je sais plus, c'est pas celui-là qui avait une saga qui serait annexe. Je sais plus. Voilà. Du coup, donc voilà pour ça. Quoi d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Bon, moi, prochaine lecture, ce sera, je vous en parlerai à ce moment-là. Hein. Ce sera peut-être. Peut-être ce soir. Enfin, pas ce soir, mais peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas. Qu'est-ce que je perds mes cheveux? J'en ai enlevé plein déjà dans mon bain. Une petite romance qui m'a l'air plutôt pas mal. Je suis tombée dessus, c'était dans les... Dans un... Quand on a l'abonnement Kindle, comme ça, normalement, on reçoit des notifications, et il y avait les livres les plus... Je crois que c'était les plus vendus, ou une connerie comme ça, de 2022, et ils faisaient partie de... ça, et du coup, je me suis dit... J'ai lu le résumé, il me plaisait plutôt pas mal. Alors, c'est une romance. Elle est photographe et elle voudrait être pour la National Geographic, un truc comme ça. Et en fait, quand elle rentre chez elle, elle retrouve, à ce que j'ai compris, elle retrouve dans son lit un mec qui est un des plus grands mannequins en vogue. Donc certes, il est bien foutu, mais de ce qu'elle a vu de lui sur les réseaux sociaux, elle l'aime pas du tout. Sauf qu'apparemment, c'est un copain de son frère et qu'il a décidé de l'héberger. Mais le résumé me tentait assez, donc ce sera ma prochaine lecture. Est-ce que vous voulez le titre? J'essaierai de vous le mettre aussi. Abonnement Kindle. Stupid Deal. Voilà. Et de Emma Landas. Donc c'est dans les abonnements. Vous l'avez dans l'abonnement Kindle. Hein. Et c'est de quelle marque? De quelle marque? C'est de Black Ink Edition. Donc voilà, Stupid Deal. Elle est photographe pour mannequin, mais, rêve son grand rêve est d'intégrer la National Geographic. Or, à ce jour, les seules bestioles qu'elle immortalise sont bipèdes, et certes, à poil, mais pas au sens où elle l'espérait. Voilà un bail que ces messieurs, les mannequins ne la font plus fantasmer, surtout depuis que son cœur a été piétiné par l'un d'entre eux. Alors, quand elle revient de voyage et découvre dans son lit Asher Tate, le top modèle le plus en vogue du moment, elle voit rouge. Elle ne le connaît pas personnellement, mais elle ne supporte pas les réseaux sociaux. Mais elle ne le supporte pas sur les réseaux sociaux, pardon. Trop musclé, trop imbu de lui-même, trop selfie man, et en plus, elle apprend que son grand frère a prévu de l'héberger chez eux. Ok, Asher est très sexy, mais il est surtout très agaçant et très joueur avec elle. Nos soucis, Birdie s'est riposté, quitte à devenir un brin aigri. Pourtant, un soir, ils vont passer un deal. Elle l'autorise à squatter chez elle. Il l'aide à sortir avec celui qui arrive tout en haut de sa longue liste de critères de l'homme idéal. Et si la séduction et l'arrogance n'étaient pas les seules choses qu'Asher Tate maîtrisait parfaitement. S'il était bien plus que cet australopithède orgueilleux, arrogant, bas de gamme dans le cerveau, dont le cerveau a été réduit à cause de cette gonflette ridicule. Un peu gnangnan, ouais, voilà, c'est de la romance, hein, c'est de la romance à la... Enfin, de la romance, quoi. Mais je me dis, pourquoi pas, j'aime bien ces petites histoires comme ça, quand ça commence très très mal entre eux. Et en Malanda, ça en a fait quoi d'autre? Je vais regarder, J'ai jamais lu de livre d'elle. Donc voilà. Donc,
voilà pour ça. Donc moi, je vais vous laisser. Je vais faire mes petites tresses. Et puis, on se retrouve demain, dimanche, pour la suite de ce vlog qui le clôturera. Je pense qu'il va être long aussi, comme le dernier. Et encore, je vais supprimer des morceaux du dernier. Et demain, du coup, je finis à 15h30. Je sais pas, 16h30. Donc, ce sera vraiment pour histoire de clôturer et d'ouvrir avec vous le calendrier de l'Avent. Donc, je vous souhaite une très, très bonne soirée. On se retrouve demain pour la suite de ce vlog. Allez, bisous, bisous. Hey, 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 bienvenue dans la suite de ce vlog avec un nouveau café. J'ai entendu la porte, je crois que c'est ma fille qui vient d'arriver. Il est 16h18, je viens de rentrer du travail, j'enlève, ça me gêne. Ouais, c'est Lana. Il fait froid, frisqué, je suis fatiguée, j'ai envie de rien, donc une chose sûre, c'est que je vais pas bosser. Je vais voir ma princesse et je reviens avec vous pour qu'on ouvre le calendrier de l'avant. Bon voilà, j'ai fait des bisous à ma fille, j'ai refait des câlins à Snow, parce que Snow, dès qu'on quitte la maison, quand on revient, ça fait 6 mois, il ne nous a pas vus. Donc, c'était quoi? Je sais plus. 11 cols. C'est une pipette. C'est une pipette parce que ça fait un tube là, et là, il y a un... C'est une pipette. Je suis devin. Donc voilà, merci, merci. Bon, petit café, il fait trop. L'ananas, pareil, m'a dit, allez, congelé aussi. Il y avait du monde aujourd'hui à la galerie. Bah, il y a le Père Noël qui est là. Donc forcément, il y avait un peu de monde. Les parents sont venus faire des photos et tout. Là, je me dis, on est dimanche. Je travaille lundi, mardi. Mercredi, repos. Je travaille jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et après, je suis en vacances dimanche à 19h. Oui, oui, oui. Je finis dimanche à 19h. Joyeux bonheur. Bon, par contre, j'ai appris qu'on allait être touché par les... On risque d'être touché par les coupures électriques. Donc, je vous explique, ça va être... Voilà. Donc, si c'est le matin, bah, les magasins vont fermer. De toute façon, ils ne pourront pas payer, il n'y aura pas d'électricité. Et si ça arrive le soir à 18h, par contre, là, le mag ferme complètement et puis les gens reviendront plus loin dedans. Joyeux bonheur. Donc voilà. Quoi de neuf? Quoi d'autre? Rien. Bah rien, j'ai bossé, j'ai fini ma lecture. Génial. Génial. Alors, quand on regarde à la fin du livre, il y a tous ces livres de Jupiter Falcon. Et je crois qu'elle est française, puisque dessus, c'est marqué qu'elle vient de Dordogne. Donc, voilà. Malgré que tout se passe aux États-Unis. Alors, ils disent que Santa Vengeance, il y a 4 tomes. Pour rappel, j'ai envie de tome 5. Et qu'il y aura un tome 6. Parce qu'ils ne peuvent pas nous laisser comme ça. Et ce que je vous disais hier se confirme. Rien n'est révélé, rien n'est dit. Mais il y a un petit truc qui fait que... Mais là, par contre, la fin. Et je ne sais pas quand peut-être la suite. Puisque pour le moment, il n'y a rien d'affiché. J'ai envie de déprimer, j'ai envie d'envoyer un mail. Elle dit qu'il ne faut pas hésiter d'y envoyer un mail, mais je vous jure que j'ai envie d'y envoyer un mail. Je veux la suite. Bref, du coup, donc ça... franchement, j'ai pas spécialement envie de bosser. Je pense que j'ai regardé des petites vidéos. Des petites vidéos cool time. Non, je crois que... Ah, j'ai une commande imprimée parce que j'ai reçu une commande ce matin au travail. Et là, non, c'est PayPal, mais c'est pour me dire que j'ai payé 1,99€ à Google. Et vous savez, parce que j'ai pris l'extension carte mémoire, parce que moi, je mets tout dans Google Drive. Donc, du coup, il me fallait plus de mémoire. Donc, voilà. Bon, allez, un petit peu de True Crimes. Imprimer la commande. Demain, je me mettrai... revoir un petit peu tout mon programme de la scène, ce que j'avais prévu, parce que je m'étais prévu des mini-choses hier et aujourd'hui, mais en fait, j'avais envie de rien. Et là, j'ai tellement froid que j'ai pas envie. Peut-être que je prendrai mon fichier et que je mettrai mes cartes stock à jour. Ou une partie. Non, j'ai pas fini mes papiers. Vous voyez, là, j'ai Codex en plus, qui est pas dessus. Faut que je finisse mes papiers de là. Je vais faire ça. Je vais finir ces papiers-là. Ouais. Bon, allez. À plus tard. Hey, recoucou. Bon, il est 18h15. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je viens de poster un post sur Instagram. C'est tout ce que
j'ai vu tout ce qu'on fait. Là, je vais aller me mettre au lit parce que je suis fatiguée, épuisée. Et que demain le réveil, ça va à 5h, du coup, bah, voilà. J'ai même pas faim en fait. Je suis trop fatiguée pour avoir faim. Donc, moi, je vous laisse là. Je clôture ce vlog. Oui, ça y est, c'est clôturé. Après 3 jours de choses pourries où je n'ai rien à vous raconter, je vous abandonne. Mais mieux vous retrouver demain. C'est promis. Demain, beaucoup de choses à faire puisque. On verra demain matin. Je noterai tout ce que j'ai envie de faire demain matin. J'ai beaucoup de choses à faire parce que, comme tu sais, je n'ai rien fait du week-end. Donc, j'ai mes 2 jours qui se sont accumulés et c'est juste énorme pour vous dire. J'ai alors le montage de ce vlog là, j'ai 2 autres montages à faire. Je voulais préparer les papiers pour une prochaine vidéo. Tourner. Non, là, Marie, tu peux pas faire le montage puisque tu n'as pas fait la vidéo. Ensuite, il faut que je remette la barre de recherche sur la boutique parce qu'elle n'y est plus. J'ai la commande 207 et 210 à faire. Toujours essayer de voir pour les cartes cadeaux, mais il faut que j'arrive à trouver ce truc-là. Aller à la poste, je l'ai fait en fait. Là, je l'ai fait hier. Je n'ai pas mis né du tout dans ma wishlist. C'était une commande qui va être postée. Poster photos sur Instagram. Hop là, je l'ai fait, mais aujourd'hui par contre. Préparer mes posts, je ne les ai toujours pas fait. J'ai 2 bottes de Noël à faire pour ma collègue. J'ai une boîte 15-15, donc un peu comme ma petite boîte rouge que je vous ai montré que il faut que je mette. Mince. Mettre la boîte rouge 7 par 7 en boutique. Voilà. Hop. Ordinateur. Et priorité, bon, c'est pas non plus hyper urgent à mettre en priorité numéro 3. Donc ça, je dois le faire depuis. Nana a fait des photos et tout en plus. Il faut que je commande un bola pour Lily puisque c'est son cadeau de Noël. J'ai mon linge. Je crois que ça nous fait mal à Lana. J'ai mon linge à plier depuis hier, il est toujours pas plié et c'est pas tout de suite qu'il sera plié. Ajouter un espace avec juste les rendez-vous sur la page d'accueil, ça c'est pareil, il faut que je le fasse. Après, il me reste trouver les 31 chansons de Noël, donc ça, c'est, je le mets tous les jours. En fait, tous les jours, je le décale et je coche au fur et à mesure des jours mes chansons que j'ai mis. Donc ça, je vais le décaler à demain. Je coche juste la chanson de Britney Spears que j'ai mis aujourd'hui. Et pourquoi échéance? Oui, non, j'allais dire pourquoi échéance 29-11 parce que oui, il fallait que je trouve la dernière chanson pour 29-12. Voilà, je l'ai mis à demain. Donc ça se met dans la to-do de demain. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'aurais dû faire hier et aujourd'hui. Alors, pas... Non, la commande 210, je l'ai eu tout à l'heure, donc... mais c'est parce que je l'ai ajouté à ma to-do. Et demain, il va se rajouter des choses. 2 vidéos à faire, mais... je suis pas sûre. Si j'arrive à en faire une, ce serait plutôt sympa. Là, il n'y a rien de plus, rien de plus. Là, rien de plus. J'ai marqué faire la litière et Jonah piscine. Je regarde ton sac. Donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser parce que mon Jojo est là. Je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous, bisous.